retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo haul. Encore, je sais, je suis désolée. J'ai tellement de choses à vous montrer. Donc ça va être une vidéo haul, principalement des produits Yves Rocher. Et c'est principalement des cadeaux que j'ai eu, dont mon cadeau d'anniversaire. Donc sans plus tarder, on va directement passer au truc le plus gros que tout le monde a envie de voir. C'est le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher. Donc c'est la deuxième fois que Yves Rocher font le calendrier de l'Avent. Donc c'est la deuxième fois que j'ai un calendrier d'Yves Rocher. L'année dernière, ma belle-mère l'avait eu avec ses points pétales, tout ça. Donc elle avait eu, enfin pas gratuit, mais enfin, elle avait eu avec ses points pétales. Mais cette année, ça ne fonctionnait pas. Ils ont été malins, Yves Rocher. Donc le calendrier, il est au prix de 39 €. Donc avoir un calendrier de l'Avent à moins de 40 €, c'est assez compliqué. Franchement, je trouve qu'Yves Rocher, pour avoir eu celui-là l'année dernière, ils font des trucs plutôt sympas. Vous avez des produits soins visage, corps, parfums, du maquillage et tout ça. Vous pouvez voir le contenu sur le site d'Yves Rocher. Il y a toutes les petites miniatures et tout. Donc moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Et j'ai hâte d'être le 1er décembre pour découvrir les cases. Parce que apparemment, il y a tous les mêmes produits dedans. Mais si par exemple, j'ouvre la case 1, je peux avoir un vernis. Une autre personne peut avoir un produit cheveux, un parfum, tout ça. Donc en fait, c'est les mêmes produits, mais pas mis de la même façon dans tout le calendrier. Donc voilà, donc mon cadeau d'anniversaire, donc le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher. Donc, je suis trop contente. Et j'ai eu également plein de choses. Donc on va commencer avec la collection, on va continuer dans le côté Noël. Donc Yves Rocher a sorti sa collection de Noël avec plusieurs odeurs. Donc pour commencer, il y a l'odeur vanille nuit. Donc voilà, donc ça c'est le parfum. Et pour celles qui m'ont demandé sur Instagram, ça ne ressemble pas du tout au vanille bourbon d'Yves Rocher. C'est plus chaud, sensuel. Je suis désolée pour décrire les odeurs, c'est pas mon truc. L'odeur est vraiment terrible, ça me fait penser un peu à la bougie de Primark que j'ai eue. Franchement, j'adore l'odeur. L'odeur est vraiment tip top. Chaque fois que je sors du bain, j'allais dire de la douche, je m'en mets. Franchement, voilà. J'étais pas très. J'avais pas spécialement envie d'avoir le parfum et tout parce que j'en ai pas mal à utiliser. Mais quand j'ai senti l'odeur, franchement, je regrette pas de l'avoir. Je pense que ça va être mon parfum de tout l'hiver. Franchement, il sent vraiment très très bon. Donc j'ai également à vous montrer le gel douche qui va avec. Donc pareil, nuit vanille, je trouve le packaging super sympa. Après, j'ai vu que pas mal de personnes étaient déçues parce que ça faisait un peu pareil. L'année dernière, c'était vanille blanche. Là, c'est vanille nuit. Franchement, je préfère vanille nuit par rapport à vanille blanche alors que j'avais eu toute la gamme et j'avais adoré. Je trouve que l'odeur est plus chaude et sensuelle et je pense qu'elle correspondra à plus de monde. Donc, le petit gel douche. La deuxième odeur, c'est pomme rouge. Donc, ça, c'est les petits échantillons qu'on avait avec la carte. Donc là, il y a un petit format de douche de 50 ml, si je ne dis pas de bêtises, avec des cheveux. Bien. Un petit format de 50 ml, donc j'ai déjà pris une douche avec. Franchement, je trouve que l'odeur est pas entêtante. Elle sent, c'est bon et c'est discret. C'est bon, c'est discret. Ouais, c'est discret. Et la petite crème pour les mains. Donc je trouve que ces petits formats comme ça, c'est très très bien pour tester. Parce que franchement, je n'aurais pas acheté en full size. Ils font également thé blanc que j'ai senti chez Yves Rocher. Je suis pas non plus super fan et tout. C'est vraiment plus la vanille. Et après, il y a plein d'autres choses. Il y a une palette pour les yeux qui est sortie. Il y a une bougie. Il y a des crèmes pour les mains. Donc voilà, la collection de Noël est toujours sympa à Yves Rocher. Il y en a pour tous les goûts en fait, pour tout le monde. Donc en cadeau également d'Yves Rocher, ils ont fait les petites tasses Little Marcel. Et je trouve ça plutôt sympa. C'est pas la première fois qu'ils collaborent avec Little Marcel. C'était un sac et l'année d'avant, c'était également un sac. Et franchement, voilà, pour je crois que c'était 3,50 les deux tasses. Je les trouve vraiment très très sympas, très très belles. Voilà, en petit cadeau en plus, c'est plutôt sympa. On n'a jamais assez de tasses. Belle maman, si vous passez par là. Voilà, après je vais continuer au niveau maquillage d'Yves Rocher. Je voulais tester un de leurs blushs. Et je voulais un truc assez discret. Donc celui-ci, c'est le 3 Bois de Rose. Et franchement, il paye pas de mine. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, c'est trop trop clair, ça va rien donner et tout. Si vous entendez crier, c'est mon mari, ma fille qui joue à... Non, ils jouent aux billes, ils jouent plus à Age of Empire ou je sais pas quoi. Donc là, ils sont en train de jouer aux billes. Enfin bref, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh là là,
Ça va rien marquer du tout. Ça va être, pas dire tout pourri, mais voilà, on va rien voir même sur ma main. Donc c'est pas là, c'est un swatch d'un rouge à lèvres, mais vous allez pas bien voir malheureusement. Et donc du coup, j'y suis allée franco. Et quand je dis j'y suis allée franco, c'est... Donc voilà, j'ai mis mon pinceau dedans et j'en ai mis sur les joues et tout. Et j'ai pas fait attention plus que ça parce que je me suis maquillée dans le salon de mes beaux-parents et moi je me maquille dans ma chambre avec la lumière du jour, enfin il y a un éclairage spécial donc je vois vraiment ce que je fais. Et quand on est sorti faire du shopping et que je me suis vue, j'ai vu que ça faisait pas limite poupée russe, mais c'était bien, bien présent quand même. Donc le petit blush là, bois de rose, qui paye pas de mine dans son emballage et qui fait vraiment discret et tout, bah il pète hein. Donc franchement, belle découverte, je m'en passe plus, je l'aime beaucoup. Également en cadeau, je crois que c'était pour mon anniversaire, je sais plus. Enfin bref, on avait plusieurs cartes, donc je sais plus ce qu'on a utilisé. J'ai eu le baume liquide. Donc c'est mon deuxième, j'avais déjà, vous ai présenté, c'était le numéro 7. Je suis désolée si je parle vite. Je l'avais beaucoup aimé, j'ai fait une photo sur Instagram et là c'est le numéro 1. Et je sais pas trop si vous allez pouvoir voir. Il est transparent mais avec des mini micro paillettes. Je pense que vous voyez que ça brille. Donc j'en ai mis par-dessus mon rouge à lèvres pour le donner un effet un peu glossy. Ah, on voit vachement mes taches de rousseur, non? Enfin bref. Donc du coup voilà, le petit gloss qui était en cadeau. Donc j'étais plutôt contente, c'est mon deuxième. Et franchement je suis fan de leur petit gloss. Et je me demande si je vais pas tester la gamme matte également. Donc belle maman m'a pourri gâtée, littéralement. J'ai eu également, donc c'est une nouvelle gamme apparemment, j'ai pas trop fait attention aux sorties soit en visage de Yves Rocher. C'est l'élixir jeunesse, non, ça doit être le truc anti-pollution je crois qui est nouveau. Voilà, elle m'a pris, non, l'élixir jeunesse, réparation anti-pollution, soin restructurant jour et nuit. Donc j'ai la crème de jour et la crème de nuit, donc je les ai pas déballées parce que j'ai ma routine à terminer. Et j'ai le gel nettoyant exfoliant quotidien anti-pollution. Donc voilà, j'ai un gel nettoyant, crème de jour, crème de nuit. Donc voilà, une nouvelle routine à tester. Donc je pense que je vous mettrai des photos sur Instagram et que je vous en reparlerai. Mais la gamme anti-pollution, je l'ai au niveau cheveux. D'ailleurs, j'en ai à vous remontrer encore. Et je la trouve le nom plutôt pas mal. Pour, on va continuer dans les cheveux, ça va être simple. Elle m'a repris également donc, le shampoing micellaire détox tout type de cheveux anti-pollution. Ainsi que l'après-shampoing de la même gamme, bouclier, tout type de cheveux, sans silicone, sans colorant et sans parabène. Donc moi je suis fan de leur gommage pour les cheveux et franchement je trouve que le shampoing et l'après-shampoing sont également tip top. Comme quoi Yves Rocher, ils ont vraiment des produits sympas. J'ai eu également pour le corps des éponges Conjac. Nettoie exfolie en douceur, donc j'en ai eu deux, je pense que c'était une achetée, une offerte ou quelque chose comme ça. Donc j'ai jamais testé d'éponge Conjac pour le corps, moi je suis plus à utiliser celle pour le visage. Donc du coup je suis plutôt intriguée, j'ai hâte de tester et de voir un petit peu du coup, ce que ça donne. Et je pense que je vous en reparlerai soit dans des favoris, soit dans des produits terminés. Mais voilà, petite éponge Conjac. Pour info, Yves Rocher ont sorti leur éponge Conjac visage, donc la blanche est déjà sortie l'année dernière, mois d'avril. Et ils ont sorti il n'y a pas très longtemps la rose pour la peau sensible, pour les peaux sensibles, et la noire pour les peaux mixtes et tout. Donc voilà, franchement plutôt contente de pouvoir tester ça. J'ai eu également de la marque Yves Rocher la crème lavante nourrissante extrait d'avoine peau très sèche. Celui-ci je l'aime beaucoup, je préfère celui-là peau extra sèche, je crois karité, avec le packaging marron et tout que j'avais déjà eu en miniature. Mais celui-ci il est vraiment très réconfortant, c'est vraiment une comme un baume, c'est tout blanc et tout. Moi je l'utilise sans fleur de douche, vraiment je divise sur la main et tout ça comme ça. Et je le trouve très très doux, très hydratant, donc je le conseille à ma fille. En général on fait une douche d'up, on alterne avec un truc comme ça un peu plus doux, un peu plus nourrissant pour la peau. Et ma fille a fait, ah bah du coup je suis pas obligée de m'hydrater le corps, je fais ça n'empêche pas. Donc enfin bref, et donc du coup voilà, celui-ci je le trouve plutôt sympa. J'ai les corps également de cette même gamme là, l'avoine, je trouve que ça sent très très bon et c'est très cocooning, très hydratant pour les peaux. J'ai eu également un gommage végétal poudre d'abricot tout type de peau. Moi je suis pas très très fan de celui-ci. Celui-là qui était sorti maracuja cet été avait fait fureur, il avait été en rupture assez rapidement. Apparemment c'était
entre guillemets, un dupe ou une copie de celui-ci. Sauf qu'il y avait l'odeur gingembre, fruit de la passion. Je trouvais que ça sentait très très bon. Je sais pas si c'est l'odeur de l'abricot qui me fait ne pas trop l'aimer, l'apprécier et tout. Mais franchement, celui-ci, je suis pas très très fan. Et alors que celui-là, fruit de la passion et gingembre, je le trouve vraiment tip top. Et franchement, je l'ai dégommé un truc de fou. Il m'en reste un tout petit peu en fait, je l'économise. Je sais pas pourquoi, mais bon, il va falloir que je le termine. Je le trouve vraiment tip top. Celui-ci, je suis vraiment moins fan. Au niveau gommage visage d'Yves Rocher, j'aime bien, mais au niveau gommage corps, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, je suis pas très fan de leur gommage pour le corps. Alors, c'est terminé pour Yves Rocher. Et normalement, je sais pas, voilà, elle a craqué au niveau des gels douche d'Up. Donc, j'ai menthe givrée qui est dans la salle de bain, que j'ai oublié de prendre. Je suis désolée. J'ai également le douche sorbet cassis. Donc celui-ci, c'était une édition qui était sortie il y a déjà un an ou deux, je crois. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, je le trouve qu'il sent très très bon. Il est très agréable, il est très. Je me suis dit, je vais pas tous les ouvrir, mais bon. Ah, il sent très bon. Franchement, celui-ci, il sent très très bon. Je l'aime beaucoup. C'est peut-être dans mon top 5 des gels douche d'Op. Mais franchement, il sent très très bon. J'ai également. C'est au parfum de tarte tatin. Je me suis dit, ça va être trop sucré, ça va être trop écœurant, je vais pas trop aimer. Et franchement, au final, je trouve qu'ils sont bons. J'aime bien aussi celui-là à 4 quarts citron, mais celui-ci, franchement, je trouve qu'ils sont bons. Et je vais, je pense, moins m'en lasser avec une odeur comme celle-ci. Donc, plutôt contente de tester une petite nouveauté. Elle m'a pris également au parfum du chocolat chaud. Celui-ci, je pense que ça va être bien utilisé de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. Franchement, c'est chocolat, chocolat. C'est une odeur plutôt sympa, mais je pense que ça peut être rapidement entêtant. Voilà, si on se lave toute la semaine avec, ça va être rapidement entêtant. Mais voilà, peut-être une fois dans la semaine, en cocooning, un truc comme ça, pourquoi pas. Et le dernier, c'est Coco Chocolat. Donc c'est pareil, c'est une nouveauté qui est sortie en même temps que celui-là de Sananas, je crois, et en même temps que celui-là de Bonbon Haribo, la banane. Donc je l'ai senti également parce que Caroline, ma meilleure amie, enfin. Je l'ai senti également parce que Caroline, une de mes amies, me l'a également offert. Et oui, ça sent vraiment pareil le chocolat, chocolat, quoi. Donc pareil à utiliser. Enfin, personnellement, moi, je pourrais pas me laver tous les jours avec. Après, je pense qu'il y en a, ça les dérange pas, ils aiment bien. Mais moi, je trouve que c'est peut-être trop écœurant à force et on s'en lasse assez rapidement. J'ai eu également pour mon anniversaire un petit kit. Donc là, vous allez me dire, mais il est où ton petit kit? Eh ben, il est déjà ouvert, mon petit kit. Donc c'était un kit Nocibé Les Délices. Il y avait une bombe de bain au citron qu'on a déjà utilisée avec ma fille. Donc du coup, voilà, c'était un petit kit. Il y a la crème pour les mains au citron, le petit gel douche qui a pris une petite tarte et la bombe de bain qui n'est plus là. Voilà. Donc c'était un petit kit comme ça de Nocibé. Je trouvais ça plutôt sympa. Pour tester, moi j'avais déjà testé le lait hydratant que j'avais pas apprécié plus que ça. Je trouvais qu'il pénétrait pas top top. Et j'étais pas très. Là c'est cupcake citron. Je suis pas très très fan du citron. Et franchement, je sais pas si c'est cupcake citron ou comme les gels douche d'Up 4 quarts citron. Je trouve que l'odeur passe mieux. Et franchement, je l'apprécie beaucoup. J'ai pas encore utilisé la petite crème pour les mains parce que j'en ai déjà 3 ouvertes. Donc j'ai pas trop envie de tout ouvrir. Et franchement, le petit gel douche, je pense que d'ici 3-4 jours, il n'y aura plus rien. Et je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc voilà, un petit kit. Je trouve ça plutôt sympa, les petits kits comme idée cadeau pour Noël ou pour les anniversaires. C'est plutôt sympa. Et pour finir, j'ai eu également de la marque L'Oréal. Donc le masque purifiant. Donc c'est le vert. Donc ça tombe bien. Parce que moi, j'ai le bleu. J'ai le bleu. La fille qui se rappelle plus. J'ai le bleu, j'ai celui-là au yuzu, le jaune. J'ai le gommage et j'avais eu le gris avant. Donc celui-là, le vert, en fait, je ne l'avais pas. Donc franchement, plutôt contente de l'avoir et tout. Pour la zone T, quand c'est la mauvaise période et tout, c'est toujours plutôt sympa pour purifier cette zone qui a tendance à avoir des petites imperfections. Donc voilà, un petit masque L'Oréal. Il y a eu pas mal de promotions chez Lidl dernièrement, à Carrefour, je crois. À Casino, tout ça. Donc ces petits masques en général, ça vaut 9-10 euros. Ils sont vraiment tip top. Et en général, on peut les avoir en promotion à 4,50 ou maximum 6 euros. Et franchement, foncé, c'est vraiment des masques super. 50 ml, ça dure assez longtemps, je trouve.
C'est fini pour ma vidéo haul, je suis désolée, il va y avoir beaucoup de haul en ce moment. J'ai décidé de faire plusieurs vidéos et de les séparer. Si je regroupais tout, je pense qu'il y en avait au moins pour 50 minutes. Et je ne pouvais pas vous faire une vidéo de 50 minutes, ça aurait été trop lourd pour vous à regarder, je pense. Donc du coup, voilà, je vous ai fait plusieurs petites vidéos comme ça, j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de tester, s'il y a des choses que vous avez déjà testées. Puis bah mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude et puis à vous abonner, voilà. J'ai vu qu'on était de plus en plus nombreux et franchement, je vous remercie pour tous vos commentaires, c'est vraiment très, très touchant, ça, voilà, ça me va droit au cœur, voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bye!